C'est l'instant sexy news. Eh bien, Pascal Neveu, nous retrouvons Flore Chérie. Bonjour, Flore. Bonjour à tous. Oui, une rentrée très chargée, toujours évidemment journaliste à Union.fr, toujours en s'occupant de son site avec Arthur Vernon, mysuitefantasy.com. Vous avez des fantasmes, vous avez envie de les réaliser, Pascal, vous allez sur mysuitefantasy.com. Ah, mais j'ai son 06 aussi. Hein. Oui, mais ça, c'est autre chose, ça. Et bien sûr, le bar à fantasmes, qui est maintenant ouvert. Hein. Voilà, qui est ouvert. Vous pouvez venir dans cette salle de spectacle où il y a plein de choses qui sont possibles et réalisables à Paris. Et bientôt une pièce de théâtre, mais ça on en parlera avec Arthur Vernon qui vient, je crois, la semaine prochaine. Tout à fait. Et vous allez nous parler des vêtements des femmes ? Oui, alors, sans transition. Non, mais moi, je voulais venir sur votre plateau pour tirer la sonnette d'alarme, parce que ça empire d'été en été. Plus ça va, plus on devient totalement obsédé par les fringues des meufs. Alors, d'accord, hein, les bons éditorialistes sont partis sur la Côte d'Azur, et il ne reste plus que 2-3 zombies dans les rédacs pour préparer les sujets en juillet-août, soit. Mais ça n'explique pas pourquoi les jupes, les burkinis, les crop tops, les maillots de bain, les shorts de sport féminins prennent encore à ce point-là le devant de la scène médiatique. Alors que, excusez-moi, hein, mais il y avait quand même une pandémie mondiale et de lourds problèmes écologiques en face. Enfin, en même temps, tous les sujets médiatiques sont bons pour parler des fringues des nanas. Les Jeux Olympiques, la fédération de beach volley impose des culottes à ses joueuses qui doivent couvrir au maximum 10 cm de peau. Et si les shorts sont trop longs, les clubs... Non, mais ne faites pas cette tête-là parce qu'elle veut, elle a raison, moi ça m'a choqué. 1500 euros d'amende. Plusieurs fois pendant les Jeux Olympiques, il y a eu des commentaires sur les tenues des femmes. Mais pas des hommes. Au maximum 10 cm ? Oui, beach volley, précisément sur ce sport-là. Ouais, sur la culotte, parce que c'est un sport qui est censé être plus ou moins sexy pour les femmes. Bon, bref. Photo à l'appui des joueuses en petite tenue sexy. Si on parle de la rentrée scolaire, elle, le magazine, a sorti un long entretien avec Emmanuel Macron au sujet de la mode des crop tops, jugée inappropriée à l'école. Ça revient. Si on parle de la météo sur les plages, la France n'arrive toujours pas à se prononcer sur l'interdiction ou non du port du burkini sur son sable fin. Les talibans qui reprennent le pouvoir en Afghanistan et hop, on ressort les photos de toutes les Afghanes en petites jupettes des années 70. Alors que bon, le problème de la jupe courte ou non des Afghanes, ça me semble être le niveau zéro de leur problème actuel. Enfin bref, plus ça va, plus les chaînes d'infos se transforment en reines du shopping. Évidemment, ça m'énerve un peu, j'en parle autour de moi et on me répond systématiquement « Oui, mais le vêtement n'est pas si neutre, c'est important, c'est politique, ça envoie un message. Le vêtement dit quelque chose de toi, du message que tu as envie de faire passer aux autres. » Enfin, excusez-moi, mais c'est totalement l'inverse. Si les joueuses de beach volley jouent en petite tenue, ça ne dit pas grand-chose d'elles, mais ça dit beaucoup de choses de qui les regarde et du désintérêt général sur leur performance sportive. Si les jeunes filles mettent des crop tops à l'école, ça ne dit pas grand-chose d'elles, mais le tumulte que ça provoque dit beaucoup de la sexualisation des corps des mineurs. Si les femmes ne sont plus que 16% à se promener topless sur les plages cette année, alors qu'elles étaient près de 43% il y a 50 ans, c'est un sondage IFOP qui est sorti cet été qui le dit, ça ne dit pas qu'elles sont plus prudes, ça dit qu'il y a peut-être une dégringolade de respect et de civisme à la plage. Et évidemment, la tenue vestimentaire des Afghanes ne dit rien des Afghanes, mais tout du monde en crise dans lequel elles vivent, parce que je veux bien que la tenue vestimentaire soit une affaire de décence, mais la décence doit être placée au bon endroit. La décence n'est pas juste une question de tenue, enfin si justement, c'est une question de tenue, de retenue même. La décence, c'est d'arriver à la même dose de respect face à une personne, qu'elle soit nue, en mini-jupe ou en robe de soirée, parce que la tenue qu'elle a choisi de porter en dit beaucoup plus long sur le monde dans lequel elle vit que sur un éventuel message qu'elle essaierait de faire passer à travers les centimètres de sa jupe ou de son décolleté. Vous avez 100% raison. La mode est très révélatrice d'une société et on sait que lorsque la société est en crise, on se recouvre. Quand tout va bien, on se découvre, par exemple. Hein, c'est un petit peu simpliste ce que je dis, mais c'est tout à fait une réalité. C'est une belle analyse sociologique. Je suis totalement d'accord. Non, bravo je pense que c'est vrai. Oui, vous avez tout à fait raison. Les gens oublient tout ça. Enfin, moi, je suis consterné. Puis alors, les gens se jugent immédiatement par rapport à leurs habits. Quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, d'abord, on ne se regarde pas, on ne juge pas. Hein. Alors en France, immédiatement, regardez sur les réseaux sociaux, immédiatement, on se moque des gens, on les prend en photo en douce, immédiatement, et puis ça fait rire tout le monde, moi ça me fait pas rire, hein, personnellement. Mais effectivement, on en oublie la tragédie des Afghanes, on oublie, et dans la même chose, donc les gens sont libres. Hein. Oui, et puis de toute façon, je propose ce test à tous ceux qui nous écoutent. Faites le test d'essayer de vous rappeler comment était habillée la personne avec qui vous avez passé du temps hier. À 90%, on ne s'en rappelle pas.
Ce qui montre bien que l'invêtement, Flore a raison, n'est pas si important que ça, puisqu'on ne se rappelle même pas. Si, on va se rappeler quand ça dit quelque chose de notre société. Donc, ça montre bien que le vêtement n'est pas si important que ça. En même temps, c'est vrai que la manière dont on s'habille peut montrer qu'on a envie de provoquer, peut montrer qu'on a envie de passer, d'être passe-muraille. Enfin, il faut pas. D'avoir un look identitaire également, mais là, c'est absolument. Davantage pour souvent, souvent, je pense qu'on s'habille pour être intégré dans un groupe. C'est pour ça que je dis que c'est le vêtement dit quelque chose du groupe, mais ne dit pas quelque chose de soi. Quand on s'habille sexy, souvent, c'est qu'on va en boîte de nuit et que tout le monde est habillé sexy dans la boîte de nuit. C'est pas forcément. Si on va en club libertin, c'est certain qu'on va pas se mettre Oui, mais souvent, les gens s'habillent comme en club libertin, les hommes particulièrement, comme s'ils allaient dans une soirée très haut de gamme, très chic. Donc, quelque part, le vêtement veut juste dire... Oui, parce que la cravate est révélatrice de la taille clubs, du pénis, mais... Pascal Neveu. Oui, c'est la... le nœud de la cravate. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Exactement. Ou la marque des chaussures veut dire que vous avez un gros pénis, souvent. Voilà, c'est un peu ça, dans les clubs libertins. Non, je dis ça en rigolant, mais oui, il faut s'habiller chic, souvent, dans ces clubs-là. Donc, il y a plus un effet de mimétisme social, oui, d'une certaine groupe, façon. Ce que vous disiez, Et puis, quelque part aussi, on ne choisit pas ses vêtements. Nous, on s'habille à l'occidental parce qu'on a des enseignes occidentales, et puis on s'habillerait complètement différemment dans un autre pays du monde. Ça ne révèle rien de notre identité ou de notre personnalité, vraiment. Ça révèle quelque chose du groupe social. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez dit une chose que je trouve très intéressante. Encore une fois, les magazines féminins qui devraient quand même libérer les femmes sont les premiers à toujours évoquer la tenue des femmes qu'il faut avoir, etc. etc. Mais foutez-leur la paix. C'est alors leur qu'est-ce business, qu'elle en pense? Est-ce que vous avez interrogé la grande présentatrice, animatrice télé d'une chaîne télé, etc. Vous avez discuté avec elle de ce sujet? Qu'est-ce qu'elle en pense? Parce qu'elle est d'une autre culture. D'accord, à la base, je peux pas donner son nom. Bah si, allez-y, parce que Christina sinon, Cordula, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Vous avez discuté avec elle de ce sujet? Non. Ça pourrait être super intéressant pour un livre. Hein. Je vous donne une idée. Si elle a envie de discuter avec moi, avec grand plaisir, mais. Je lui donne votre 06. Bah très bien, allez-y, faites l'entremetteur. Voilà. Ça va se faire. Merci en tout cas, Flore chérie. Merci On beaucoup. Vous retrouve évidemment tous les lundis maintenant.